en testant, en séquençant, en établissant des contrôles aux frontières. C'est ce que le gouvernement a décidé de faire dans nos aéroports dès demain, pour les avions arrivant de Chine où l'épidémie bat son plein et où nombre de restrictions ont été relâchées. Après les États-Unis, le Japon, l'Italie et l'Espagne, la France a elle aussi décidé d'imposer des restrictions aux visiteurs qui viennent de Chine. Alors que le Centre de prévention et de contrôle des maladies européens pense qu'il n'est pas nécessaire de le faire. Que pensent ces quelques franciliens à qui Mandarin TV a tendu le micro ? Écoutez, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a manqué des touristes chinois depuis pratiquement 3 ans, 4 ans maintenant, mais il faut maintenir quand même le principe de sécurité sanitaire et donc que les touristes chinois reviennent, c'est formidable, mais dans des conditions de sécurité sanitaire qui sont indispensables. Et je pense que c'est une très bonne chose. La venue des touristes chinois est très bénéfique pour la France. Écoutez, j'ai pas réellement d'avis. Qui veut venir, veut venir. Hein, c'est, voilà. Alors, je pense que c'est une bonne chose, car maintenant il faut arrêter la politique Covid pour ouvrir les frontières. Voilà. Je suis d'accord pour le retour. Pourquoi ? Parce que c'est des touristes qui ont le droit de venir. Je pense que, vu ce que nous avons vécu, on n'a pas envie de recommencer un confinement, on n'a pas envie de recommencer une grosse épidémie sur le continent européen. Il me semblerait plus sage que des tests PCR soient imposés, oui. Bon, écoutez, je pense qu'un test n'est pas méchant. En revanche, ou cependant, malgré qu'il y ait quelques-uns qui soient négatifs, il suffit de faire une mise en quarantaine nécessitant quelques jours. Mais de toute façon, ça n'empêche pas leur bienvenue. Voilà. La réglementation du pays veut ça, donc la loi reste la loi, si il n'y a pas à déroger. Moi, par exemple, si je vais dans un pays et qu'on me demande quelque chose, je me plie aux règles. Je pense que c'est valable pour tout le monde, les tests que tout le monde devrait, pas spécialement chez moi, que tout le monde devrait se faire tester. Et dès qu'on a un petit peu de symptômes, il faut se faire tester et faire attention à soi comme aux autres, tout simplement. Que ça soit chinois ou quelqu'un qui vienne d'un autre pays du monde, ou même nous, français, tout simplement. C'est normal qu'on l'impose. Pour quelle raison ? Quelle raison ? Parce que les personnes à risque, on ne sait pas pour le moment. Comme on l'a imposé à nous, pourquoi pas l'imposer aux autres ? C'est normal. Reportage par Mandarin TV.